Bonsoir à toutes et à tous, c'est le dernier acte de la saison de football féminin ici en France. C'est la finale de la Coupe de France féminine entre les deux meilleures équipes de l'Hexagone, entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Bonsoir Marinette. Bonsoir Fabien. C'est une finale de rêve véritablement entre Lyon qui vient d'être sacré champion de France pour la 8e fois consécutive et son grand rival, le Paris Saint-Germain. Alors ce soir forcément, c'est une finale de rêve quasiment Marinette, on peut le dire. Ah ben, c'est la finale que tout le monde attendait et puis c'est surtout les deux prétendants français qui se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Et puis il y a un air de revanche dans cette rencontre qui plane déjà dans les tribunes, comme on peut l'entendre. Et oui, nous sommes ici dans la magnifique enceinte de la MM Arena au Mans pour nous accompagner dans ce dispositif ce soir sur France 4. Claire Vauquier-Fico qui sera au plus près des 22 actrices. Bonsoir Claire. Bonsoir Fabien, bonsoir Mariette. Comme on est au Mans, j'ai décidé de vous appeler Mariette Fichon. Vous avez osé. Alors voilà, le temps est parfait, un superbe stade pour cette finale. Tout est prêt pour un beau spectacle. Et c'est vrai qu'on se rappelle que l'année dernière, la finale avait eu lieu à Clermont-Ferrand, Marinette. C'était un vrai derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. Et Lyon s'était offert un doublé, on se rappelle. Mais ça n'avait pas été si facile que ça. Match accroché face aux voisines stéphanoises. Ouverture du score à la 44e minute de jeu de Lotta Schelin, la buteuse suédoise de l'Olympique Lyonnais. Deuxième but inscrit en deuxième mi-temps par Wendy Renard de la tête. Elle est terrible dans le jeu aérien, Wendy Renard. Mais Audrey Chaumette avait réduit le score pour l'AS Saint-Etienne à la 63e, 12-1. Mais au final, Lyon va s'imposer 3-1 dans cette partie à Clermont-Ferrand grâce à un dernier but de Johnny Le Sommaire, 3-1. Et encore un doublé pour Patrice Lair. Et c'était le dernier match de Sonia Bonpastor, Marinette. Et oui, elle mettait sur une magnifique note un terme à sa carrière. Donc voilà, c'est une grande joueuse qui avait tiré sa révérence. Et ce soir, eh ben, il y a 22 actrices qui veulent soulever à nouveau ce beau et magnifique trophée. Vous parliez d'un air de revanche tout à l'heure, Marinette. C'est vrai qu'il sera présent ce soir, cet air de revanche au MM Arena. On se rappelle des deux confrontations en championnat entre l'OL et le Paris Saint-Germain. Première manche à Charletti, où là, l'Olympique Lyonnais s'était imposé très largement face aux filles de Farid Benstiti. Victoire 3-0. On va revoir les buts, Marinette, de ce match à Charletti entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Premier but inscrit par Louisa Nessib. Ensuite, c'est Lotta Schelin qui allait doubler le score et la marque pour l'Olympique Lyonnais. 2-0, puis 3-0. Parce que vous allez voir le troisième but ensuite, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. C'est un véritable bijou de Laetitia Tonazzi. Exactement, c'est un chef-d'œuvre. Regardez ce ballon qui revient quasiment à la moitié de terrain. Elle le prend, le contrôle. Elle a vu que la gardienne parisienne était avancée. Elle tente le coup, ça paye sous les applaudissements de Rio Mabula. Certainement le but de l'année dans le football féminin, ce lob de Laetitia Tonazzi et le retour. Là, c'était un véritable séisme. Ah ouais. Effectivement, cette défaite à Gerland de l'OL avec ce but inscrit par une ancienne lyonnaise. C'est Laura Georges à la 45e minute qui vient tromper la vigilance de la défense lyonnaise. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain et fin d'une série de 87 matchs sans défaite à domicile pour l'OL. Et l'OL qui n'avait plus perdu tout court depuis mars 2010 face à Juvisy. C'était vraiment une sacrée performance des Parisiennes ce soir-là. C'était une sacrée performance parce qu'elles ont rivalisé sur tous les plans. Tactiquement, elles ont pris à défaut ces qualités offensives dont fait preuve l'Olympique Lyonnais maintenant depuis 8 années. Et puis surtout, athlétiquement, elles avaient répondu à l'engagement physique en mettant le pied, en montant en duel, en étant à la chute du ballon et en mettant l'occasion, la seule occasion malgré tout qu'elles ont eu dans la rencontre. Alors automatiquement, dans la préparation de ce match, Patrice Lair, il a évoqué cette défaite à Gerland le 18 janvier dernier. Parce que Lyon a envie de rester roi de France véritablement. On sait que le Paris Saint-Germain est en train de se développer d'année en année depuis l'arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain. Le slogan, il est valable pour les filles également, rêvons plus grand. On le voit bien, il y a une internationale suédoise qui a signé là au Paris Saint-Germain cette semaine, c'est Caroline Seger. Et Paris qui va encore faire un très très gros recrutement à l'intersaison. On parle même de l'arrivée de Marta, la brésilienne qui est la meilleure joueuse du monde. Paris qui est peut-être amené à dépasser Lyon dans les années à venir. Oui, et encore, on parle aussi dans les noms couchés sur une feuille de Fatmir Bachramaj, l'Allemande, qui a un palmarès à la hauteur de Annick Kran et de Linda Brissonnik, qui est la technicienne reconnue, le pilier de cette équipe allemande. Donc voilà, ils sont vraiment en train de construire une équipe pour aller chercher des performances en Ligue des Champions et surtout rivaliser avec l'OL et pourquoi pas oser détrôner et cesser ces victoires consécutives qui n'arrêtent pas en finale. C'est vrai.
En tout cas, niveau palmarès, ce n'est pas encore comparable, hein, parce que niveau palmarès, côté Olympique Lyonnais, il y a 8 titres de champion de France consécutifs. Elles ont gagné 2 Ligues des Champions récemment, 5 Coupes de France au tableau également, alors que côté Paris Saint-Germain, un seul titre au palmarès dans l'histoire du PSG féminin, c'était en 2010, une Coupe de France. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que Laure Boulot y était à l'époque et elle a envie d'inscrire une nouvelle ligne au palmarès du Paris Saint-Germain. Il y aura du beau monde également ce soir en tribune, Marinette. On a croisé Jean-Michel Aulas, on a croisé Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, pardon. Il y aura Noël Le Graët également qui sera assis aux côtés de Brigitte Henriques. Et il y aura un invité très spécial, on va le voir tout à l'heure, c'est Fabien Barthez. Oui, il nous fera l'honneur de venir donner ce coup d'envoi pour cette magnifique finale dont évidemment on ne pouvait pas vraiment rêver mieux aujourd'hui dans cette magnifique enceinte. Et puis il y a 22 athlètes qui ont envie de montrer le meilleur. Il y a des internationales, 16 hein, qui ont été retenus par Philippe Bergeron pour partir faire cette tournée aux États-Unis avec 3 matchs amicaux de prévu, un contre le Brésil à Cayenne et ensuite 2 doubles confrontations contre les USA. Et ce trophée, il est là, cette Coupe de France. Elle est là, cette Coupe de France que veulent aller chercher absolument les Parisiennes et les Lyonnaises ce soir sur la pelouse du MM Arena. On devrait voir un gros match ce soir avec une dimension athlétique qui sera très présente. On se rappelle d'un match très physique à l'aller comme au retour entre les Parisiennes et les Lyonnaises. Il faudra répondre présent, c'est ce qu'a dit Patrice Lhère à ses filles dans le défi physique ce soir. On voit, même s'il y a quelques sourires hein, sur les visages, regardez, c'est quand même fermé, c'est tendu. On sent que ce match hein, en jeu direct est très important pour les deux équipes. Décrocher ce trophée, le lever, ajouter une ligne supplémentaire au palmarès. Et Jean-Michel Aulas, accompagné de Noël Le Graët et de Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport. Bon, il ne le dit pas trop, mais il est poétique des Lyonnais. Hein. Ah, bon, il n'a pas mis le petit logo hein, sur le côté de la veste gauche. Il est resté très, très correct. On l'a croisé avec Claude Desmarres tout à l'heure quand il mettait les pieds au MM Arena. Il a dit ce soir je supporte personne, ce soir je suis neutre. Et il vient juste de saluer l'arbitre qui va officier ce soir, c'est Vrin Svink, assisté d'Elodie Coppola et de Aurélie Effé. Et quatrième arbitre, Émilie Mougeot. Et il continue avec Lindsay Horan, l'américaine Jessica Wara et la buteuse Marie-Laure Delis du Paris Saint-Germain. Et il y a un match particulier ce soir, c'est pour Patrice Lhère. Et justement, Claire, vous êtes à côté de l'entraîneur de l'OL. Oui, Patrice Lhère, quel sentiment vous anime avant de cette dernière finale avec votre groupe après 4 ans? Ouais, c'est une certaine émotion quand même. J'ai vécu 4 superbes années, beaucoup de titres, des grands moments avec une équipe fabuleuse, un club ambitieux. Alors, j'espère que ça va bien se finir ce soir, mais qu'on voit déjà un grand match. On a certainement les 2 meilleures équipes françaises et j'espère européennes encore l'année prochaine. Merci beaucoup. Bon match. Les compositions d'équipe, puisqu'on se rapproche du coup d'envoi, on va commencer par les Lyonnaises avec un 4-3-3 concocté par Patrice Lhère, Sarah Boisdi évidemment dans les buts. En défense centrale, Wendy Renard associée à la japonaise Saki Kumagai, Corinne Petit-Franco à droite, Lara Dikenman à gauche. Et en numéro 6, Amandine Henry associée à Louisa Nessib et Camille Abili pour alimenter les 3 attaquantes, Eugénie Le Sommer, Lota Schelin et La Flèche. L'attaquante la plus rapide du championnat, c'est Elodie Thomis. Le trio arbitral ce soir, emmené par Séverine Zinc, Elodie Coppola, Aurélie F. Et la quatrième arbitre, c'est Émilie Mougeot, qui ont le plaisir et l'honneur d'arbitrer cette finale de la Coupe de France féminine. La composition d'équipe de Farid Benstiti, ça sera un 4-4-2. Alors je vous laisse prononcer le nom de la gardienne polonaise du Paris Saint-Germain, Marinette. Krzyzewska. Voilà. Écoutez, je me suis lancé une fois, je ne le redirai pas 10 fois, hein. Je l'appellerai par son prénom. Hein. Laura Georges et Sabrina Delano dans l'axe, Jessica Wara et Laure Boulot sur les côtés de la défense, à la récupération, Keira Amraoui et Caroline Pizzala, Tobin Hiss et Kenza Dali sur les côtés, et en pointe, Marie-Laure Delis et Lindsay Horan. Les capitaines hein, qui échangent la poignée de main traditionnelle avec les arbitres.
respectivement du côté parisien Sabrina Delannoy et pour l'Olympique Lyonnais Wendy Renard. Et les deux équipes hein, rassemblées chacune de leur côté. Et je vois Fabien Barthez là, qui attend patiemment là, en bord de terrain pour aller donner le coup d'envoi de cette partie entre les Lyonnaises et les Parisiennes. Il faut resituer un peu le contexte. Fabien Barthez, lui, sera présent demain au Mans parce que dans une semaine, il va disputer les 24 heures du Mans. C'est devenu un super pilote automobile, le gardien champion du monde 1998. Et là, ce soir, il a le plaisir de venir donner le coup d'envoi de ce match et de cette finale. Et c'est un inconditionnel hein, du volant. Voilà. Le voilà Fabien Barthez qui rentre sur la pelouse du MM Arena. La belle ovation pour Fabien Barthez qui s'investit énormément aussi dans le club de Luznac qui vient de monter en Ligue 2 mais montée a priori refusée par la DNCG. Le feu de tour ne fait peut-être que commencer puisque Luznac a fait appel. Ah, c'est vrai quand on est régi hein, à la DNCG, les contrôles sont très importants et il faut être faut pouvoir avoir consolidé un dossier vraiment incontournable pour pouvoir avoir leur faveur et remplir tous les critères. Et on voit Fabien qui vient de donner le coup d'envoi avec Lota. C'est Claire qui va essayer de l'attraper. Fabien, là. C'était super de vous faire donner le coup d'envoi. Vous êtes au Mans aussi pour les 24 heures dans une semaine. L'entraînement a démarré. Exactement, ouais, ça a commencé le week-end dernier avec les essais officiels. Demain on a le pesage, donc bon, c'est l'occasion. Et voilà, surtout pour le foot féminin aussi, c'est super sympa. Merci beaucoup Fabien. Ah, il est sympa ce Fabien Barthez. C'est vrai qu'on avait eu l'occasion hein, plusieurs fois lors des stages en équipe de France à Clairefontaine de le croiser. Il avait toujours un petit mot sympathique. Et il a toujours cet accent chantant du sud-ouest. N'est-ce pas? Allez, première possession de balai pour les Lyonnaises avec Eugénie Le Sommer qui va chercher Louisa Nessib dans la profondeur sur le côté gauche. Et l'intervention de Jessica Ouara. Elle faisait partie aussi de l'équipe parisienne vainqueur de la Coupe de France en 2010. Elles ne sont pas beaucoup. Il y a Laure Boulot également qui était dans l'équipe. Sabrina Delannoy. Également. Et dans les buts, hein, parisiens effectivement, Katarzyna Kierdziniek. On va dire ça comme ça. On pourrait dire comme la ça. La gardienne polonaise hein, qui a remplacé tout récemment Karima Benhammer. Qui est arrivé en effet hein, au Paris Saint-Germain sur la pointe des pieds qui avait fait un début de saison assez timide, assez poussif, avec surtout quelques points à régler dans les prises de balles, dans le dégagement au pied. Et aujourd'hui, elle s'est tout simplement imposée en titulaire, en faisant preuve d'une vraie autorité dans sa surface, que ce soit dans les airs ou au sol. Wendy Renard à la relance, latéralement vers Dickelmann. Nessib. Louisa Nessib qui a trouvé un relais avec Eugénie Le Sommer contré. Et le ballon toujours pour les Lyonnaises. On va chercher le côté opposé, Elodie Thomis qui va aller défier leur boulot, c'est contré. Corinne Franco qui va centrer, le ballon dans la surface. Et c'est repoussé par Laura Georges. La remise en jeu côté droit pour Corinne Petit-Franco. Et Camille Abili contrée par équipe pour repartir en contre avec Marie-Laure Dely. Face à Wendy Renard, elle repique dans l'axe. Ouais, elle a toujours l'opportunité de récupérer ce ballon, Marie-Laure Dely. D'aller travailler Wendy Renard sur ce côté. Obligée de repasser par Caroline Pizzala. Et encore Marie-Laure Dely qui était un moment incertaine hein, parce qu'elle s'est entraînée très légèrement jeudi. Un petit peu touchée à la cheville. L'attaquante de l'équipe de France, mais elle est bien présente ce soir sur la pelouse du Mans. Elle qui a terminé cette saison hein, avec pas moins de 24 buts à son compteur. Et la percussion de Jenny Le Sommer dans l'axe. Elle va continuer Le Sommer, elle va aller frapper peut-être. Oh là, ça passe à côté
de la cage parisienne. Les premières grosses occasions dès la troisième minute de jeu ici au Mans. Et elle est en faveur des Lyonnaises. On voit le percute. Elle élimine Sabrina Delannoy. Ensuite, c'est Laura Georges qui ne sort pas. Donc elle a tout le temps de pouvoir ajuster. Une petite frappe avec le pied gauche qui passe à côté des buts de la gardienne polonaise. Les premières alertes dans cette finale. Et Lyon qui démarre fort. La déviation de Lindsay Horan. On le rappelle, hein, leur seule défaite cette saison en championnat, les Lyonnaises, elles l'ont concédée face aux Parisiennes. Et Paris à l'attaque avec Lindsay Horan dans la surface qui revient derrière avec leur boulot le centre. C'est repoussé de la tête laborieusement par Wendy Renard. Ballon qui un petit peu rebondit sur son bras gauche, sur sa main gauche, si je puis dire. En tout cas, on sent une vraie intensité dans cette finale de Coupe de France. Et aussi beaucoup d'application dans la transmission de balles. On devrait voir un match de haut niveau ce soir. Alors qu'on revoit l'intervention ratée hein, de Wendy Renard. Les Parisiennes qui n'ont pas protesté, qui n'ont rien réclamé hein, sur ce fait de jeu. Les Parisiennes qui sont bien en place. Obligeant Wendy Renard à repasser par sa gardienne Sarah Boisdi. Qui allonge le jeu, Sarah Boisdi vers Camille Abidé, le bon contrôle. Elle s'est remise dans le sens du jeu. Lisa Nessib qui va écarter côté gauche avec Lara Dickenmann, la Suissesse. Ah, ça manque un petit peu de correction dans ce ballon adressé à Eugénie Le Sommer de la part de Lara Dickenmann. Et c'est reparti, hein, côté parisien, avec cette fois-ci une main justement sanctionnée de Wendy Renard. Et un bon coup franc. Et on revoit. Voilà. Et coup franc pour les Parisiennes et pour Kaira Amraoui. L'ancienne Stéphanoise. Elle avait remporté la Coupe de France d'ailleurs. Il y a 3 ans, Kaira Amraoui avec la Saint-Étienne. Et pourquoi pas un nouveau trophée ce soir avec le Paris Saint-Germain. La sortie de Sarah Boisdi, le ballon repoussé et dégagé maintenant. Le Tachéline, battu dans les airs là par Amraoui. Et le bon retour de Caroline Pizzala qui joue en retrait vers Gerzinek. Ça joue vite. Alors le boulot pour Caroline Pizzala sur le côté. Tobin Sabienken qui est bienvenue hein, sur cette fin de saison. Merci. Elle n'a pas marqué un seul but de la saison américaine. Elle n'a pas énormément joué. Alors que la saison dernière, elle avait quand même inscrit 5 buts en 12 matchs. Elle qui a 69 sélections. Elle avait fait partie de ce groupe qui avait gagné les JO, la médaille d'or à Pékin. C'était la plus jeune joueuse de l'équipe américaine. Allez, leur boulot le centre. Vers Lindsay Horan, c'est repoussé de la tête par Eugénie Le Sommer. Louisa Nessib qui repart en contre. Bonne conservation de balle de Nessib. Et l'intervention de Laura Georges. Pour l'instant, les Lyonnaises font face à un bloc parisien qui sait jaillir et sortir des lignes au juste moment. Regardez, hein, on le voit assez bien sur ce plan. Voilà, l'intervention de la tête de Laura Georges. Laura Georges qui avait inscrit le seul but du match à hein, Gerland le 18 janvier dernier. Une tête rageuse. Amandine Henry. Qui écarte côté droit vers Corinne Petit-Franco et le Ditomis. Contré par Pizzala. Récupération parisienne, Itzéoran. Et vous avez entendu Patrice Lher hein, qui sera en vacances ce soir à 23h. Il va aller se ressourcer un petit peu à Montpellier et il va chercher un autre challenge très rapidement. Ah oui, parce que c'est un garçon qui ne tient pas en place, qui aura envie certainement de replonger très vite. C'est un homme de challenge et c'est normal après ces années passées
à l'OL. Alors il a failli signer, à Châteauroux, qui vient de descendre en national. Finalement c'est Gatien, finalement l'entraîneur des Chamois Niortais qui va rebondir à Châteauroux. Ça a failli se faire, mais en tout cas il a besoin d'un nouveau challenge, Patrice Lhaire, pourquoi pas chez les hommes, ou pourquoi pas même à l'étranger, dans une sélection en Afrique. Lui qui était a déjà entraîné d'ailleurs. Les jeunes de Bénin, oui, au Bénin. Centre-t-il. Et aussi la sélection des moins de 17 ans du Rwanda. Ah, c'est un grand technicien, il connaît bien le football au masculin et au féminin maintenant. Allez. Et l'info est confirmée, son successeur sera Gérard Prêcheur, le directeur de l'INF Clairefontaine, qui connaît beaucoup de choses qui sont sur le terrain ce soir, puisqu'il a longtemps dirigé le centre national de formation et d'entraînement du football féminin à Clairefontaine. Et il a quasiment formé 75% de l'équipe de France, Gérard Prêcheur. Et il va retrouver beaucoup de filles qu'il a eues à Clairefontaine, à l'OL. Oui, il a été le mentor en effet de certaines joueuses. Il est pour beaucoup dans la réussite de leur carrière. Corinne Franco qui dégage vers Lotta Scheline. Mais Paris qui est en train de s'installer progressivement dans cette partie. Allez, l'Elodie Tomis, c'est la récupération, c'est un petit peu brouillon milieu de terrain. On arrive à ressortir via Kenzadali. Kenzadali qui a vu l'appel de balle de Marie Lordeli. Et la sortie de Sarah Boigny qui s'impose dans sa surface et qui relance rapidement la main vers Dickenman. Et le sommaire qui a raté son contrôle sur ce ballon fuyant. On revoit la sortie juste à la limite de la surface de réparation de la gardienne lyonnaise. Et c'est une remise en jeu effectuée par Jessica Wara. Wendy Renard en retrait vers Sarah Boigny. Et attention au pressing de Litze Oran qui est venu gêner la gardienne lyonnaise et la conséquence c'est ça. Oui, et le pressing bien complété par Kenzadali qui est venu fermer l'angle et la relance notamment à Wendy Renard. Même si elle a contré ce ballon, ça montre qu'elles sont capables d'aller les presser très haut. Kenzadali. Pizzala. Et le centre pour personne, côté opposé. Fabien Marinette, on a vu il y a quelques instants Farid de Ben City se retourner vers le banc. Et derrière, c'est Tanik Kran qui a été s'échauffer. Et voilà la défenseur allemande, Annick Kran. Et oui, c'est vrai, on sent Koumagaï pris un peu à défaut depuis Saki Koumagaï, pris à défaut. À de nombreuses reprises déjà. Et puis on a vu ces 11 minutes Farid faire le geste coussi coussa, donc effectivement à surveiller. Il y a du beau monde sur le banc parisien ce soir, avec quand même des champions du monde. Linda Brezoni qui est également sur le banc. Côté d'Annick Kran, les deux Allemandes. Charlotte Cruz sur le banc également. Kosovar et Aslani, l'attaquante suédoise. C'est vrai que l'entraîneur parisien. La chance de pouvoir avoir un banc aussi fourni que celui-ci, autant dans la qualité que dans le palmarès. Et c'est encore un effectif qui va s'étoffer à l'intersaison. Parce que l'ambition de cette équipe, c'est de gagner la Ligue des Champions, comme chez les hommes. Et ils sont en train de recruter en conséquence, puisque ils ont déjà acté cette semaine la venue de Caroline Seger, la capitaine de l'équipe nationale suédoise. Pas moins de 112 sélections, un pilier incontournable. On voit l'accrochage avec entre Kemra Mraoui et Louza Nessib. On parlait de défi physique en début de match. Bah regardez la preuve avec cette intervention très dure de Kemra Mraoui sur Louza Nessib. Et Annick Kran, la voilà à l'échauffement, l'Allemande. Très dur et je crois que la cheville droite de Louza Nessib a tourné. Il y avait eu un contact très rude à Gerland, on se rappelle, entre Laura Georges et Camille Abili. Abili qui était sorti blessé. Oui, les confrontations lyonnaises, et on revoit à nouveau le duel aérien. Ensuite, Amraoui qui ne lâche pas le défi. Malheureusement, sa cheville tourne, la cheville de Louza Nessib tourne.
espérant qu'un coup de bombe magique et de glace fasse le nécessaire pour qu'elle puisse rejoindre ses coéquipières. Ça a l'air d'aller pour Louzane Essip qui s'est relevé. Voilà, un bon coup franc hein, avec pour le frapper Camille Abili. Il va probablement chercher Wendy Renard. C'est parti dans la surface, c'est touché de la tête par Corinne Franco. Et ça passe à côté de la cage de Katarzyna Kiderzyniec. Quatre parisiennes, hein, quatre parisiennes autour de Corinne Franco Petit. Et c'est pourtant elle hein, qui arrive à placer cette tête. Qui passe largement à côté des buts. Alors on entend énormément les supporters parisiens en MRNA hein, parce que il y a un certain nombre de supporters parisiens qui ne vont plus au Parc des Princes et qui viennent maintenant supporter les filles du Paris Saint-Germain. Que ce soit à Charletti ou sur cette finale aujourd'hui au Mans. Allez, ils sont 200, 300. Je vous confirme qu'on entend que aujourd'hui, ouais. Fabien. Et puis ils étaient déjà là, hein, puisque juste avant ce match, il y avait la finale des U19, la finale de France également des U19, où l'Olympique Lyonnais s'est imposé 2-1. Et là aussi, c'est un match très physique hein, entre les U19 de l'OL et du Paris Saint-Germain. Et dans le staff hein, des U19 de l'OL, il y avait Sonia Bonpastor qui était assez tendue sur le banc, très impliquée. Elle vit toujours ses matchs à 200%. Alors, est-ce qu'on a une réflexion à avoir avec une éventuelle association pour la saison prochaine? Pour le bon ballon. Le centre de Lota Chedid vers le sommaire. La remise de la tête, les cibles peut-être, c'est dégagé. Elit Sohan qui dégage ce ballon vers Amandine Henry. Il n'était pas facile à redresser ce ballon là-bas côté droit. Et Lota Chedid l'a fait parfaitement pour pouvoir le transmettre. Magai qui cherche côté gauche Nessip, ça sera trop long de la part de l'internationale japonaise. Donc je vous parlais tout à l'heure peut-être d'une association de Sonia Bonpastor avec pourquoi pas Gérard Prêcheur, puisqu'elle qui connaît le groupe de l'intérieur, puisqu'elle a arrêté sa carrière la saison passée. Allez, et le dégagement de la gardienne. Kirzyznev. Comment vous dites? Ah, parfaitement. Je ne sais pas si on le prononcera deux fois de la même façon ce soir, le nom de la gardienne polonaise. Et nous nous excusons d'ailleurs, hein, parce que... Allez, Dickenmann, le centre. Oui, la bonne intervention de Laura Georges. Et ça repart sur Kenza Dali. Contre Kenza Dali, la remise en jeu pour les Parisiennes. Et on voit les deux coachs hein, au bord de leur surface respective. Et le voilà, Patrice Lair, qui termine sa quatrième saison sur le banc lyonnais et qui affiche des statistiques absolument incroyables. 93% de victoire pour Patrice Lair. Si on comptabilise tous ces matchs sur le banc lyonnais, il y en a eu 143 et il y a eu 133 victoires. Le bon ballon récupéré de l'INSEE. Ah, non, l'arbitre de la rencontre, c'est Vrin Zink, a sifflé. On revoit ce ballon avec Amandine Henry et une petite main de Marie-Laure Delis, involontaire. Et pour revenir sur Patrice Lair, pour terminer, Marinette, trois défaites seulement concédées hein, par les filles de Patrice Lair en 143 matchs. C'est absolument incroyable, cette exigence et ce culte de la victoire qui s'est installé chez les filles à Lyon. C'est gigantesque. Et on vient de voir hein, le retour et le pressing de Lota Chedid, l'attaquante lyonnaise, sur Laura Georges qui a dû concéder un corner d'une bonne occasion. On sait que dans cette finale de Coupe de France, tout peut se jouer sur un coup de pied arrêté notamment. Le corner de Nessib, premier poteau, c'est dévié par Eugénie Le Sommer. Et ça sera un nouveau corner en faveur de l'Olympique lyonnais. Toujours côté gauche, toujours frappé par Louisa Nessib. On a dépassé le quart d'heure de jeu ici au Mans. Toujours 0-0 entre Lyon et le Paris Saint-Germain. C'est rentrant et c'est repoussé au premier poteau par Laure Bouleau.
Le Tachéline qui s'est replié pour servir en retrait Sarah Boidi. Les cibles. Et Eugénie Le Sommer qui n'a pas pu emmener ce ballon. Eugénie qui commet quelques petites erreurs techniques depuis le début de la rencontre. Il est élevé le rythme. Les cibles centre vers Chéline, c'est repoussé par la tête de Sabrina Delannoy. Tobinis. Delannoy avec Tobinis encore. Qui écarte à droite vers Jessica Ouara. Contrée par le dos de Eugénie Le Sommer. Ah, mauvaise transmission entre Caroline Pizzala et Kenza Dali. Et le voilà Farid Benstiti, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Nommé manager général de la section féminine du PSG en 2012. Avec un staff entièrement dédié aux filles. Ouais, Claire. Et Fabien, vous parliez de Farid, il est à côté de moi. Alors il est en train de parler à sa joueuse. Farid. Alors, Farid n'est pas content là, de la décision de l'arbitre. Vous avez déjà battu cette équipe cette saison en championnat. Là, c'est pour une coupe. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueuses ce soir? D'abord, une coupe, c'est un vrai plaisir d'arriver en finale parce que la Coupe de France, pour moi, c'est important déjà. Et pour elle, ça doit l'être. Chaque fois qu'il y a cette compétition, il faut qu'on la joue crânement, franchement. Voilà. Ensuite, j'ai dit que ça allait être difficile parce que Lyon reste quand même une très grande équipe et qui a l'habitude de ces grands rendez-vous, que nous moins, avec moi en tout cas. Et puis j'ai dit de prendre beaucoup de plaisir, je crois, et d'avoir beaucoup de maîtrise, et c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc pour le moment, vous êtes plutôt satisfait? Oui, mais voilà, il y a un temps fort de Lyon, il faut qu'on résiste à ce moment-là, parce qu'on aura la possibilité d'avoir des occasions de but. Merci, bon match. C'est ce qu'il déclarait, d'ailleurs, dans ses propos d'avant-match, de tenir, de répondre aux défis athlétiques, de contenir la qualité des attaquantes, de ce potentiel offensif lyonnais pour pouvoir utiliser le moindre espace et aller défier Sarah Boidi. Petite erreur côté parisien et le contre lyonnais avec le Tachéline. Tomis, plein axe. Oh, grosse occasion. Et sa peur d'une erreur qui peut paraître banale de Caroline Pizzala. Et derrière, ça a bien failli déboucher sur un but lyonnais d'Elodie Tomis. Il est pointu, elle arrache vraiment, elle met la pointe. Entre Laure Boulot, qui est resté à terre. Et on voit la belle intervention de la gardienne Kirdjisnev. Elles se sont fait peur, les Parisiennes, sur ce ballon perdu plein axe. Et c'est allé très vite, la percussion de Lotachine qui arrive à transmettre sur le bout du pied à Elodie Tomis, qui, elle, essaye de pousser tant bien que mal le ballon dans les cages parisiens. minutes de jeu ici au MM Arena. Toujours 0-0, match très équilibré entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Cette équipe parisienne qui a vraiment énormément progressé, c'est vrai, avec des joueuses qui sont devenues professionnelles à temps plein depuis maintenant 2 ans. Et ça se ressent évidemment sur le terrain. Encore la percussion dans l'axe de Louisa Nessib. Et la bonne intervention de Sabrina Delannoy, notre capitaine parisienne. Marie-Laure Denis sur ce côté. Et ça joue vite. Une remise de jeu rapide de la Radikeman. Ça tourne encore. Koumagaï à la relance qui écarte côté droit vers Corinne Petit-Franco. Elle est pressée de Koumagaï qui s'est fait subtiliser le ballon là par l'américaine. Lidse Oran qui va percuter côté gauche. Lidse Oran qui va rentrer dans la surface. Allez, trois parisiennes contre 6 lyonnaises. Tobinis. Il y a du renfort qui arrive. La frappe de Tobinis, repoussée de la cuisse par Wendy Renard. Et qui ne s'embarrasse pas. Elle dégage loin devant. Et la touche sera pour les parisiennes. Et Patrice Lair qui demande à ses joueuses d'être vigilantes derrière.
Jessica Ouara pour la remise en jeu. Longue touche en direction de Litzeau. Rana déviation. Marie-Laure Dely. Encore Ouara de la frappe contrée. Ah là, elle n'a pas réussi à la sauver, je crois. Ça sera un corner en faveur du Paris Saint-Germain. Elle a été un petit peu courte, la Sarah Boidy, pour aller sauver ce ballon. Allez, ça y est, elle se détend hein, pourtant. La gardienne de l'équipe de France. Alken Zalali pour tirer ce corner. Le corner de Kenza Dali s'est repoussé premier poteau. Marie-Laure Dely, Tobin Hiss, petit ballon piqué, la sortie. Et une faute signalée sur Sarah Boidy. Faute de Jessica Ouara. Non, de Keira Mraoui, pardon. Tobin Hiss qui avait eu hein, toute seule Keira Mraoui. Ah, Mraoui, pardon, je vous suis, hein, vous voyez. Qui essayait de devancer la sortie de Sarah Boidy, la portière lyonnaise. Wendy Renard avec Lota Chélim qui a décroché pour venir chercher ce ballon. En retrait vers Amandine Henry. Encore une petite franco contré. Dégagement de Laura Georges en direction de Litzéoran. Le duel aérien avec Amandine Henry. Et elles sont au duel, hein, les parisiennes. Elles ont une grosse présence athlétique. Et le ballon mis en touche par Laure Bouleau sous le pressing d'Elodie Thomas qui arrivait comme une flèche. Elle a une pointe de vitesse. Elle est devenue une vraie joueuse complète. Elle avait cette pointe de vitesse et maintenant elle a cette qualité technique qui l'accompagne. Elle qui a 107 sélections en équipe de France et 30 buts. Et qu'on surnomme Tom Tom dans le vestiaire lyonnais. Je peux vous dire, quand on a un Tom Tom comme ça, on va où on veut. Hein. Ah, quand ça déboule à pleine vitesse, ça fait mal, c'est vrai. Aline Soran qui attendait à la limite du hors-jeu ce ballon. Intercepté par Amandine Henry. Louisa Nessib qui a trouvé Eugénie Le Sommer. Qui écarte côté gauche vers Lota Chélim. Lota Chélim toujours, le centre de la Suédoise, c'est repoussé de la tête par Sabrina Delannoy. Kenza Dali. Et la couverture de Kumagai qui peut jouer sereinement, en retrait vers Sarah Boidy. Qui va probablement passer par la japonaise. Encore Kumagai. Abili contre Camille Abili. Récupération de Tobinis. Et non, qui a voulu servir Marie-Laure Dely. Qui ne s'est pas compris là entre Tobinis et l'attaquante de l'équipe de France. Et on se rappelle, hein, Marie-Laure Dely, c'était le premier transfert de l'histoire du football féminin en France la saison dernière. Elle est arrivée en provenance de Montpellier à l'intersaison. Elle qui est conseillée par Sonia Swede, qui est l'agente, on va dire, en vogue en ce moment. C'est elle qui a fait venir Elena Costa à Clermont tout récemment. Et c'est elle qui est chargée de trouver un club à Patrice Lhaire d'ailleurs pour la rentrée prochaine. Oui, elle avait vraiment réalisé un gros coup de com' également. Et pour le championnat français, avec ce transfert... de Montpellier à Paris, et avec l'attaquante qui, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, a marqué dans ce championnat de France pas moins de 24 buts, à un seul but derrière Gaëtan Tinet, la juvisienne. Ouais, si on fait les comptes, toutes compétitions confondues pour Marie-Laure Dely, c'est 26 buts en 23 matchs. Ouais, voilà. Sacré ratio. Hein. Sacré ratio. Kumagai. Qui écarte vers Corinne Petit-Franco, Lota Chélim maintenant. Tobin Hiss qui conserve ce ballon en retrait vers Laure Bouleau qui va s'appuyer sur l'Insee Oran contré par Amandine Henry. Ballon récupéré par les Lyonnaises, Louisa Nessib.
Elles ont fait un double rideau, les Parisiennes. Eugénie Le Sommer qui va écarter à gauche vers Dickel Marnier. Une bonne possibilité, le décalage est trouvé. Le centre au deuxième poteau et c'est mis en corner par Laure Boulot. Voilà, belle combinaison. Côté gauche de la part de la Suissesse, Lara Dickelmann. Et toute l'application mise dans cette, dans ce geste. Le corner va le deuxième poteau, va la tête d'Amandine Henry peut-être. C'est repoussé par Laura Georges. Allez, le ballon qui reste en jeu. Malgré le compte de la Suissesse, Dickelmann. On a du mal à trouver. Hein. Les coéquipières côté parisienne pourront lancer proprement. Tobinis qui est passé côté droit. Et la faute d'Amandine Henry sur l'américaine. Et ça va offrir un coup franc excentré aux filles de Farid Benstiti. On va bien regarder. Amandine Henry qui passe le bras. Mais qui est prise de vitesse. Donc qui l'accroche la parisienne. On n'était pas loin du carton, honnêtement, Marinette. C'est oui, ce que réclame d'ailleurs Sabrina Delannoy. Et Farid Benstiti, là, sur son carré, là, s'époumonne pour réclamer aussi ce carton jaune. Et elle aurait pu le donner à juste titre. Ça n'aurait pas été illogique hein, que Amandine Henry soit avertie. Bah, d'ailleurs, Madame l'arbitre se dirige vers l'arbitre parisien. Vers le coach parisien, Farid Benstiti. Que Madame Asselin aille voir Farid Benstiti, mais de son côté c'est logique aussi puisqu'elle avait fait la différence sur le côté l'américaine. Allez, pour tirer, pour frapper ce coup franc, Kenza Dani. On a passé le cap de la demi-heure de jeu ici au Mans, 0-0 toujours. Le bon coup franc frappe le deuxième poteau. Oh, la tête et de l'arrêt, l'arrêt de Sarah Boily sur cette tête de Lindsay Horan. Grosse occasion pour le Paris Saint-Germain. Ah ouais, ça part bien. Hein. Regardez comme elle se détend. Elle n'est pas convaincue de le recevoir hein, finalement ce ballon, l'américaine Horan. Elle arrive quand même à l'exploiter. Il faut une belle parade de Sarah Boily. Et encore, hein, Kenza Dani toujours à l'opposé pour frapper ce corner. C'est rentrant et c'est capté sans problème par Sarah Boily qui peut relancer au pied directement vers Elodie Thomis. C'est repoussé de la tête par Laure Boulot. On évoquait tout à l'heure la présence de 16 joueuses de l'équipe de France sur la feuille de match ce soir, Marinette. Elles connaissent bien cette enceinte du MM Arena parce qu'elles sont venues jouer à deux reprises cette saison. Ici au Mans avec l'équipe de France. Il y a eu un premier match contre la Bulgarie fin novembre. Il y en a eu un autre au mois d'avril, c'était face à l'Autriche, ici même également. Ouais, elles connaissent bien cette magnifique enceinte. Capable d'accueillir 25 000 places. Il faut essayer de la faire vivre cette enceinte, on se rappelle, hein, depuis la relégation administrative du Mans. Voilà, malheureusement, pas de club résident ici. Et c'est on peut parler d'un gâchis véritablement. Hein. Ouais, on peut parler d'un gâchis. Et attention, Fabien Marinette, la quatrième arbitre vient de demander à Farid Benstiti de se calmer, sinon elle allait lui demander de sortir. Donc c'est un peu tendu là pour l'entraîneur parisien. De l'autre côté d'ailleurs, hein, Patrice Lair, on le sent aussi beaucoup plus tendu là depuis une dizaine de minutes, lui qui était très serein au début de la rencontre. La tension monte des deux côtés. Ouais, c'est un match très équilibré avec des occasions de chaque côté. Et on parlait d'Amer de revanche avant le coup d'envoi. On le sent que les Lyonnaises ont envie. Et ça se voit dans les duels, hein, ça se voit dans les duels. Regardez. C'est sacrément engagé ce soir, hein. Physiquement, athlétiquement. Elles ont envie de montrer ce soir que ce sont elles qui règnent sur le football français féminin, les Lyonnaises.
Mais Paris tient bien le choc ce soir. Paris fait un gros match pour l'instant. Impose encore un sacré défi athlétique et physique ce soir aux Lyonnaises. Abili avec le sommaire. Petite erreur là de Lara Dickelmann et le ballon rendu aux Parisiennes. Marie Lordeli qui perd ce ballon là, entouré par trois Lyonnaises. Et Mandeni Ric qui écarte à droite vers Corinne Petit Franco qui cherche à allonger le jeu vers Chéline. Le pressing qui paye d'Elodie Thomis. Et l'arbitre qui laisse jouer finalement. Le ballon dans la profondeur pour Marie Lordeli. Elle est centrée côté gauche et rapide dans l'axe. Elle est contrée par Koumagaï. Laure Boulot. Directement dans les gants de Sarah Boidi. Et Laure Boulot qui râle hein, parce qu'elle sait très bien hein, que les quelques ballons qu'elle aura et qu'elle pourra exploiter, elle doit les exploiter de la meilleure façon. Celui-ci a été perdu car elle n'a pas trouvé la réception. Marie Lordeli. C'est reparti à l'opposé avec Elodie Thomis qui lève la tête pour voir à qui elle peut adresser ce ballon. Et c'est directement dans les gants de la gardienne polonaise Kirjiznev. Décidément, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce nom. C'est un cas à la fin, Marinette. Je n'ai aucune affinité hein avec la Pologne. J'adore la Pologne. J'y suis allé. Et ça passe pas. Je vais l'appeler Qatar. Ce sera plus simple. Voilà. Allez, l'accélération d'Elodie Thomis. Penax. Nessib. Il y a le côté gauche Eugénie Le Sommer. Le Sommer qui va centrer. Elle était en position de hors-jeu. L'attaquante lyonnaise qui avait de toute façon raté sa frappe. On revoit le bon décalage côté gauche de la part de Moussa Nessib. Elle le contrôle. Elle a essayé de redresser hein, pour un centre. C'est pas vraiment le rendu. Eugénie Le Sommer. Allez, à la relance au pied la gardienne polonaise. Elle est encore 10 minutes avant la pause ici au Mans, toujours 0-0. Match très plaisant, match très équilibré entre les Lyonnaises et les Parisiennes. Elles sont très bien en place, les Parisiennes, ce soir. C'est vrai qu'on se plaignait longtemps qu'il n'y avait pas cette concurrence pour Lyon. Ouais. Là, il y a du répondant. Là, il y a du répondant en face. Et tactiquement, et techniquement. C'est bien, Kéra. Et on voit, elles ne sont pas si à l'aise que ça, les Lyonnaises. Elles commettent des fautes. Plus qu'à l'habitude. Mais c'est vrai qu'elle est belle, cette équipe parisienne, alignée ce soir par Farid Benstiti. Kaira Mraoui pour frapper ce coup de pied arrêté. Et c'est capté sans problème par Sarah Boidi. Marie Lordeli avec Tobin Hiss. Kenza Dali. Avec peut-être la montée. Le ballon vers Nick Saoran dans la surface qui avait réussi à s'emmener ce ballon, l'américaine. Et la bonne sortie hein, de Sarah Boidi. On avait vu la montée poussive hein, sur ce côté de Jessica Wara qui venait apporter un soutien mais un peu tardif. Le ballon récupéré par Laura Georges. Encore Kenza Dali. Amandine Henry. Oui, une erreur de relance de la part d'Amandine Henry. On sent à regarder ses visages fermés. Le coach Patrice Lair qui regarde son groupe, conseille un petit peu, réajuste. Thomis qui a trouvé des cibles dans l'axe, le ballon dans la profondeur pour Lota Chéline. Oh, elle n'a pas pu ajuster sa frappe, Lota Chéline, elle a hésité.
Là, elle n'a pas eu l'instinct de feu, ce qu'elle a d'habitude, Lota Schelin. On revoit ce bon ballon piqué juste au-dessus de la défense centrale parisienne. Et oui, elle le prend en pied droit. Elle hésite entre le lob et, ouais, et la frappe en force. Et ça fait un coup mitigé du coup. Mais elle était là, elle rôdait hein, derrière Laura George. Et Sabrina de Nano, elle les avait pris à défaut. Grosse occasion ratée là par Lota Schelin, la Suédoise. Eugénie Le Sommer avec Dickenmann qui a trouvé Camille Abili en relais. Changement de côté. Elles se rendent assez disponibles hein, dans les intervalles, les Lyonnaises. Voilà cet accrochage. Elle laisse l'avantage. Dickenmann était là. Abili qui a tenté le coup du sombrero, la Sokeiram. Ah oui, c'est dégagé par la défense parisienne. Allez, elles sont obligées d'utiliser toute la largeur, les Lyonnaises. Avec Dickenmann. Pour essayer d'étirer ce bloc parisien. Et Dickenmann qui insiste et qui vient buter sur le bloc parisien. Lindsay Horan. Allez, Caroline Pizzala, il faut tourner côté gauche. Côté. Ah, j'ai du mal aussi avec les deux côtés ce soir. Hein. C'est terrible parfois. J'avais des antécédents Alzheimer dans ma famille. Le centre contré de Laure Bouleau. Et le duel entre Nessib et Delannoy. Très présente Sabrina Delannoy dans l'axe. Elle qui a porté pour la première fois le brassard de l'équipe de France. En novembre dernier, c'était face à la Bulgarie. Et c'était ici au Mans d'ailleurs. Et qui compte maintenant 16 sélections. Elle en est à sa 9e saison au Paris Saint-Germain, Sabrina Delannoy. Arrivée à l'âge de 19 ans au club, c'était en 2005. Vraiment une des cadres de cette équipe avec Laure Bouleau. Une des anciennes, une des tôlières du vestiaire. Nessib avec Camille Abili. Elles ne se sont pas comprises. Camille Abili et Lota Schelin. Eh oui, hein. Lota Schelin précise qu'elle a peu d'espace. Que c'est assez serré. Ça s'agace un peu côté lyonnais. Un peu moins de 5 minutes à jouer avant la pause ici au Mans. 0-0 toujours, des occasions de chaque côté. Et toujours ce score de parité, nul et vierge. Dickenmann s'est repoussé de la tête par Laura George. Regardez ce double pressing avec Marie-Laure Dely. Kenza Dali. Et elles s'en sortent bien les parisiennes. Le très bon contrôle de la part de Laura George. Le ballon est toujours en jeu. Récupération Pizzala. Elles jaillissent super vite. Keira Mraoui avec Tobin Hiss. Ah, ça sera trop long, cette transversale de Tobin Hiss. C'était va finir directement sortie de but. C'était l'option, hein, parce qu'à l'opposé, c'était bouché avec le retour d'Elodie Thomas et de Corinne Petit-Franco. Pour empêcher la montée de Laure Bouleau. Elle n'avait que cette option pour le jeu long. Koumagaï. Corinne Petit-Franco qui cherchait Lota Schelin en appui. Et la bonne intervention une fois de plus de Sabrina Delannoy sur Lota Schelin. Elles sont bien dans leur match. Les Lyonnaises le sont un peu moins, elles, de leur côté, avec un peu plus d'erreurs techniques dans la transmission. Et surtout, hein, cette grosse occasion manquée.
de l'attaquante suédoise sur un super service de Luisa Desib. Kenza Dali. Elle a fait la différence, Kenza Dali. Tout en vivacité. Elle écarte côté droit maintenant vers Lindsay Horan. Qui va s'appuyer en retrait vers Jessica Wara, le centre au point de pénalty repoussé. Oh là là. Et heureusement qu'elle le touche ce ballon. Kabiya Bili. Et la frappe lointaine de Kaira Amraoui. Plein axe dans les gants de Sarah Bouadi. Bien capté ce ballon par la gardienne de l'OL. On revoit cette déviation et le tacle pour sortir ce ballon des pieds de Caroline Pizzala. Kabiya Bili. Ouais, encore une faute sur Luisa Nessib. Faute de Pizzala. Et Nessib encore touché. Et Patrice Lerre qui réclame le carton. Attention à ne pas laisser partir, à ne plus maîtriser cette rencontre. Madame 5. Parce qu'après, faut déjà, sortir. C'est faut sortir les avertissements sur ce genre de tacle. Faut pas hésiter. Ça doit se sanctionner. Coup franc pour les Lyonnaises qui va être frappé par Luisa Nessib qui s'est relevé heureusement. Un coup franc hein, très intéressant juste avant la pause. Chercher la tête de Wendy Renard, c'est repoussé par Laura Georges. Fabien, il y aura une minute de temps additionnel dans cette première mi-temps. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêt de jeu, hein, hormis la blessure de Luisa Nessib avec cette cheville droite qui avait tourné. La voilà, Luisa Nessib, pour certainement la dernière offensive lyonnaise de cette première période. Le ballon trop profond. Et les encouragements du banc parisien pour ces dernières secondes de cette première période ici au NM Arena. Densité, ballon, densité. Et Katarzyna Kiderzinek qui va relancer. Là, je l'ai bien dit, là, non ? Ah, c'était pas mal. Allez, à la chute du ballon. Les Parisiennes et les Lyonnaises. Et Amraoui encore de la tête. Très présente. Hein. La puissance de Lindsay Horan et l'intervention de Corinne Petit-Franco. Récupération Amandine Henry qui amène de l'impact aussi dans l'entrejeu. Amandine Henry. Et le ballon qui n'arrivera pas côté opposé vers Eugénie Le Sommer. Ça traduit vraiment ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment des problèmes pour se trouver, les Lyonnaises. On les sent moins rassurées. Et c'est la pause ici au MM Arena, score de parité, nul et vierge. 0-0 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Il y a eu beaucoup d'occasions durant ces 45 premières minutes. Fabien, Mariette, je suis en compagnie de Laura Georges. Laura, vous êtes celle qui a marqué le but pour la seule défaite de Lyon cette saison. Il y a de la place ce soir encore. Il y a de la place, oui. Il faudra jouer les coups à fond. C'est pas facile, elles sont bien en place. Elles nous posent beaucoup de problèmes offensivement. Ça va très vite. Donc voilà, il va falloir être très solide et puis jouer les quelques coups très à fond. Merci beaucoup. Laura Georges, hein, qui avait été la grande buteuse, on se rappelle, hein, le 18 janvier dernier à Gerland, lorsque le Paris Saint-Germain était parti s'imposer à Lyon 1-0. On avait quand même une très très grosse première mi-temps. Là, ça fait la promotion du football féminin. On voit un vrai beau match de foot, Marinette. Oui, on se régale et sur la partie des trophées, de continuer sur cette dynamique. Elles qui ont été éliminées prématurément également de la Ligue des Champions, tout comme les Parisiennes. Alors en attendant le retour des Parisiennes sur la pelouse, on a une petite image à vous montrer. C'est l'image de Caroline Seger, la recrue suédoise qui va signer donc au Paris Saint-Germain, qui s'est engagée en fin de semaine donc ici au PSG.
Et donc elle va rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est une sacrée recrue quand même pour le Paris Saint-Germain. Oui, c'est une recrue extrêmement solide. C'est la capitaine tout simplement de l'équipe nationale suédoise qui compte 112 sélections. Un pivot et un élément extrêmement important de par son expérience, mais aussi de par ses qualités et son mental. Une fille sérieuse avec un très 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 bon état d'esprit. Une recrue pour construire une équipe pour la Ligue des Champions. Et les Parisiennes qui se réunissent elles aussi avant le coup d'envoi de cette deuxième période. Et les mots de Sabrina Delannoy pour encourager ses coéquipières pour aller chercher cette Coupe de France. Ce serait le deuxième trophée dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Le PSG avait remporté la Coupe de France en 2010. C'était face à Montpellier, victoire 5-0. Et on se rappelle que c'est également la deuxième confrontation en finale de Coupe de France entre l'OL et le Paris Saint-Germain. Il y a eu un précédent, pas n'importe où. C'était au Stade de France, Marinette, en 2008. Et c'était en levée de rideau du match France-Colombie. Et ce jour-là, l'OL s'était imposé 3-0 face aux Parisiennes. Avec des buts de Charles Cruz, qui est passé dans le coin d'en face depuis, de Louisa Nessib et de Camille Abili. C'est vrai que ce football féminin français a beaucoup de chance. Car il côtoie, il a la chance d'évoluer au sein de magnifiques structures. Telles que ce soir, le MM Arena. Ou encore le Stade de France, ou l'équipe de France au Stade Vélodrome. Wendy Renard à la relance. Ballon récupéré par les Parisiennes avec Kenza Dali qui revient derrière avec Jessica Ouara. Elle est passée. La latérale du Paris Saint-Germain, elle s'appuie sur Lindsay Horan. De Dickenman vers Louisa Nessib. Camille Abili dans l'intervalle. L'appel de balle de Lota Schelin côté gauche face à son ancienne coéquipière Laura Georges. Elles se connaissent bien. Hein. Elles se connaissent très très bien pour avoir pratiqué aussi bien à l'entraînement. Regardez, ça reste solide de la part de Laura Georges. Le pied droit pour emmener ce ballon en corner. Superbe intervention de la Guadeloupéenne. Qui a été 6 fois championne de France avec l'OL. Elle a remporté 2 Coupes de France et 2 Ligues des Champions également avec son ancien club. Et corner à suivre pour Louisa Nessib. C'est rentrant et c'est claqué par Kider Zinek. Et ça sera un nouveau corner pour les Lyonnaises côté opposé cette fois-ci. C'est vraiment une patronne maintenant dans sa défense, on la voit. Regardez, hein. Ce bras droit, il vient dégager le ballon en dehors de la zone dangereuse. Et Louisa Nessib qui a traversé tout le terrain pour aller frapper ce coup de pied arrêté, ce corner côté opposé. Trajectoire sortante cette fois-ci, point de pénalty. C'est repoussé par la tête de Lindsay Horan, récupération de Lota Schelin. Tomis qui vient buter sur Pizzala, le contre-parisien. Et le retour de Tomis qui s'est bien replié défensivement. Qui repasse Sarah Bouadi, qui repasse par là. Saki Kumagai, Wendy Renard, à nouveau la japonaise. Qui essaye de voir long pour trouver. Dans le couloir, Elodie Tomis. C'est l'américaine Tobin Insti à récupérer ce ballon. À nouveau la japonaise. Regardez le pressing très haut de Marie-Laure Denis. Abili qui cherche Elodie Tomis de la profondeur. Et encore une intervention de Laura Georges, pleine d'autorité. Laura Georges ce soir a fait un gros match. On sent la détermination hein, quand elle vient couper cette trajectoire. Totalement réglementaire hein, cette fois-ci, cette intervention.
Je vais parler de son intervention à Laura Georges en première mi-temps sur Camille Abili. Ce n'était pas à Jalan, c'était au match aller, hein. C'était à Charletti. Oui. Ouais. Où elle avait, la cheville de Camille Abili avait tourné. Ouais, cette occasion. Ouais, Julie Le Sommer. Qui était passé devant tout le monde là. Avec une déviation hein, de Lota Schelling. Cette frappe un peu en pivot de la part de Julie Le Sommer avec ce pied droit. Passe légèrement au-dessus de la cage de la gardienne parisienne. Katarzyna Kiderzinek à la relance. On va s'y faire, Marinette, au polonais. Je pense que je vais rentrer en cours de polonais dès la semaine prochaine. Eugénie Lesommer, côté gauche. Avec la bonne montée de la Radikenman. Et l'intervention de Jessica Ward. Assez solide aussi, Jessica Ward dans son couloir droit. Oui, qui avait fait un début de saison, qui était même arrivée à Paris à l'été 2009 assez timidement et qui s'est imposée hein, comme une titulaire indiscutable dans cette défense parisienne. Le Sommer qui va insister côté gauche. Lindsay Horan qui va aller provoquer l'arrière-garde lyonnaise toute seule face à trois lyonnaises et l'intervention de Koumagaï. Et la touche sera lyonnaise. Et on entend hein, toujours les chants de ses supporters parisiens. Il y en a un paquet qui sont torse nu. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il fait lourd ce soir lourd, ici. Hein. Ils annonçaient de l'orage au Mans, mais. Camille Abili, elle était en retard, Pizzala sur Camille Abili. L'arbitre qui laisse jouer, Eugénie Le Sommer qui repique dans l'axe. Le ballon vers Tomis. Ah oui, attention à ne pas se blesser. Marie-Laure Dely face à Koumagaï et ça ne passera pas face à la japonaise. Oh, le très beau geste défensif de la part de Saki Koumagaï qui est venu avec ce tacle glissé récupérer le ballon. Ça c'est la grande classe de la part de Koumagaï, championne du monde avec le Japon en 2011. Finaliste des Jeux Olympiques en 2012 à Londres. Elle a fait partie de cette génération qui a marqué, hein, surplombant l'équipe de Chine et prenant la place numéro 1 avec le Japon. On ne les attendait pas à ce niveau et c'est bien elles hein, qui ont décroché cette médaille en or. Attention, Laure Boulot qui est passé. Le centre de Laure Boulot et la belle envolée de Sarah Boidi qui capte ce ballon. Qui cherche directement Elodie Tomis. C'est récupéré, ça va aller très vite. Tomis qui a trouvé Nessib dans l'intervalle. Il y a un bon coup à jeu pour les Lyonnaises. Louisa Nessib et Elodie Tomis qui s'était écroulé. Oh, attention au petit gris-gris dans la surface de réparation de la part de Laura Georges. Laure Boulot avec Ayram Rahoui. Avec Kenza Dali maintenant. Encore Amraoui. Et on prépare un changement du côté de l'Olympique lyonnais. C'est Boussaglia qui s'apprête à rentrer. Une autre joueuse de l'équipe de France, Élise Boussaglia. Et Laure Boulot qui va aller chercher le jeu de tête de Marie-Laure Dely là où de Lindsay Horan aux abords de la surface lyonnaise. C'est la déviation de Dely s'est repoussée par Wendy Renard. 12-15. Et donc Élise Boussaglia qui rentrera à la place d'Elodie Tomis. Tomis qui était un temps incertaine. Hein. Patrice Lair qui a longtemps hésité à l'aligner ce soir. Elle était diminuée physiquement. Et Patrice Lair qui a donné très tard sa composition d'équipe.
seulement allez, une heure peut-être avant le coup d'envoi, ces joueuses. Et ça veut dire que Camille Abili va jouer certainement un petit peu plus haut. Mm-hmm. Oui, Amandine aussi va certainement monter d'un cran, ou bien vont rester les deux à côté. Mais vu le, voilà, le jeu... Le premier ballon touché par Elise Boussaglia à l'instant même. Qui avait trouvé Lota Chéline. Et finalement, ça se réorganise avec Eugénie Le Sommer pour l'instant qui est passée à droite et Louise Anessier côté gauche. En même temps, c'est un fait de jeu. On voit souvent Louise Anessier avec ce couloir qui est souvent laissé libre pour qu'elle puisse venir avec deux pointes seulement parfois. Les Lyonnaises avaient l'habitude de laisser le couloir vacant pour qu'elles puissent l'utiliser, ou la rate Kahneman. Alors, je Tobin Hiss. Et on. Et voilà, et il fait vraiment très très chaud, hein, au MMA Arena. Tout se passe dans une ambiance très fair play. Et c'est ce qui est important dans ce football féminin. Nessib avec Abili, petit ballon dans la surface. Yes, un manque de dosage, c'est pas mal. Hein. Le petit ballon juste derrière. Elle allait chercher Lota Chéline. Et Sabrina Delannoy qui est toujours là dans tous les déplacements, à part une fois où elle a été prise à défaut sur le ballon de Luisa Nessib. Elle fait un très très bon match, hein, Sabrina Delannoy. Wendy Renard qui a pris le dessus dans les airs sur Lindsay Horan, Eugénie Le Sommer. Le décalage à gauche vers Louise Anessib dans la surface maintenant. Louise Anessib en retrait vers Boussaglia et c'est récupéré par Lindsay Horan. Oui, il est très intéressant, hein, ce repli défensif de la part de Paris. À chaque fois avec Amraoui, Horan et Pizzala qui reviennent pour faire une ligne, un premier pare-feu. Attention, ce ballon récupéré. Aux abords de la surface, le relais avec Abili. La frappe maintenant enchaînée. Oh, ouais, superbe but. Superbe but de la Radhi Kahneman. Qui a enroulé sa frappe et qui a trouvé la lucarne opposée. Ça fait 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Oh, voilà, le ballon a exploité par Nesdib. Et si bien ensuite... Ah oui, c'est la Radhi Kahneman qui arrive et qui vient enrouler ce ballon du pied droit. C'est un petit peu bouillon dans cette surface de réparation. Et c'est bien la Suissesse, une nouvelle fois, qui vient du pied droit délivrer les Lyonnaises et donner l'avantage au tableau d'affichage 1-0. Superbe, véritable petit bijou de la Radhi Kahneman qui inscrit son 14e but cette saison, toute compétition confondue. Elle avait marqué 8 fois en championnat, 3 fois en coupe et 2 fois en Ligue des Champions. La Suissesse, super. Et pourtant, ça arrive une fois de plus à un moment où les Parisiennes... Les Parisiennes qui veulent réagir, Marinette, oui. Et qui vont obtenir un corner. Ouais, c'est bien. Il ne faut pas qu'elle garde la pression sur ce coup-là qui était un petit peu brouillon. Parce que cette finale de Coupe de France, elle est vraiment très belle. Il y a de... Il y a de l'engagement, il y a du rythme. Il faut rester comme ça, il faut offrir du public. Et... Le corner parisien, premier poteau, c'est repoussé. Elles vont être obligées de se découvrir maintenant, les filles de Farid Benzlity. Ça va offrir des espaces, inévitablement, aux Lyonnaises. Mais il reste encore une grosse, grosse demi-heure à jouer ici au Mans. Et puis il y a surtout du côté parisien la possibilité de faire rentrer quelques joueuses qui amèneront un plus. On peut penser à Brezonic, à Aslani aussi. Oui, Aslani est la pointe de l'attaque, hein, la Suédoise. Koumagaï à la relance pour relancer la machine lyonnaise. Avec Boussaglia qui cherche le sommaire.
quel beau but, hein. Quel beau but de la Ravi Kenman. Ça me fait penser un petit peu à celui d'Antoine Griezmann, où il l'a enroulé de la même façon, très calmement. Le même instinct pour le plus grand bonheur de Jean-Michel Aulas. Saglia, on ne s'est pas compris là avec Louisa Nessib. Et les filles qui ont fait mieux que les garçons finalement à l'OL. On rappelle, les hommes avaient fait 7 titres consécutifs. Et là, les Lyonnaises, elles ont fait mieux. Ça fait 8. Octuple championne de France. C'est quand même sacrément fort ce qu'elles ont fait. C'est vrai que la plaque du palmarès à l'Olympique Lyonnais doit être assez longue. Elle règne sur le championnat depuis 2007 maintenant. Avec une faute et peut-être le premier avertissement de cette partie. Ouais, à la Parisienne. Elle a hésité à les sortir en première mi-temps. Les cartons, et là Séverine Zinc, elle le fait pour Kaira Amraoui. Alors que je ne suis pas persuadé que cette intervention mérite un avertissement. On avait parce vu des interventions bien plus rudes, hein, oui, durant plus les 45 rude, premières minutes. Plus musclées. Il est encore une fois plus facile, hein, de pouvoir analyser une décision quand on a le ralenti. Louisa Nessib pour tirer ce coup franc. Nessib qui cherche Wendy Renard encore. C'est la tête finalement de Corinne Franco. Ça fait 2-0 sur cette merveille de coup franc de Louisa Nessib. Et Lyon qui fait le break dans cette finale. Ça fait 2-0 maintenant. Le coup de tête de Corinne Petit-Franco qui est venu tromper de près Katarzyna Kederzinek. Le bonheur sur le visage. Ce ballon pied droit qui vient se déposer littéralement sur la tête de Corinne Franco Petit. Regardez une fois. C'est vrai qu'il est beau. Hein. Il est beau ce coup franc. Il est déposé ce ballon, Marinette. Et elle s'allonge, hein, de son 1m78, Corinne Franco, pour aller projeter le ballon et donner un large avantage pour l'instant. 2-0. En l'espace de 5 minutes, l'OL a frappé très fort. Et a fait le break dans cette partie. 57e et 62e minute. Marie-Laure Delis qui va enrouler sa frappe. Oh, ça passe juste au-dessus. Ah, c'est vraiment pas passé très loin là non plus. Hein. Elle a tenté sa chance, l'ancienne joueuse de Montpellier. On revoit le ballon. Elle est juste à l'angle, hein, de la surface de réparation. Mais Sarah Bouadi accompagne ce ballon. Par sécurité, oui. Allez, hein. Le ballon redonné aux Parisiennes sur une erreur technique. Marie-Laure Delis avec Ken Zadali qui revient en retrait vers Pizzala, contrée par Camille Abili. Jessica Wara, Kaira Amraoui maintenant, qui bascule le jeu côté gauche vers Laure Boulot. Le ballon n'est pas sorti. Amraoui, le centre vers Lindsay Horan, et la sortie de Sarah Bouadi qui peut relancer à la main dans l'axe vers Elise Busaglia. Et comme vient de me le glisser Claude Aymar dans les oreillettes, ce sont les deux latérales qui ont marqué ce soir côté lyonnais. Oui. Latérale gauche, la Radi Kedman, et la latérale droite, Corinne Petit-Franco. Très bon technicien, il a quand même de bonnes analyses, hein, monsieur Aymar. Tobin Hiss qui conserve ce ballon, qui trouve un relais avec Pizzala, Kaira Amraoui. Et à noter également, à la bonne rentrée du côté lyonnais d'Elise Boussaglia qui tout de suite s'est mis dans le rythme de cette partie. Le centre capté sans problème par Bouadi qui va relancer vers Eugénie Le Sommer.
elles avaient à cœur, hein, les Lyonnaises, quoi qu'il arrive. De attention, ce bon ballon et le bon, ah, la bonne passe en retrait pour Jenny de Sommer. Mal exploité. Elles avaient à cœur de remettre les pendules à l'heure. Marinette. Exactement, voilà, de ça. Remettre les pendules à l'heure et surtout, pour le moment, à la 64e minute, d'offrir une belle sortie à leur coach depuis 4 années, Patrice Lair. Eh bien, Patrice Lair qui dispute ce soir, qui dirige pour la 144e fois l'OL ici au MM Arena et qui se rapproche d'une 134e victoire. Rendez-vous compte. Ouais, c'est impressionnant de pouvoir vivre un tel parcours avec un club et de tout gagner au final parce qu'il a gagné toutes les compétitions. Même la Coupe du Monde des clubs. Hein. Exactement, puisqu'il est allé au Japon l'a remporté avec ce groupe lyonnais. Il peut dire qu'il a vraiment tout gagné. Et le ballon trop fuyant. Il finira sur la ligne des 5,50 m. Rien. Fabien, c'est... Marinette, je m'approche justement de Patrice Lair qui a vu tout se débloquer à l'heure de jeu. Ouais, c'est bien, on a marqué deux buts, on a changé l'organisation. Bon, ça a payé, quelquefois ça ne marche pas toujours, mais pour l'instant, il faut qu'on garde plus le ballon là. C'est bien, il faut qu'on maîtrise un petit peu là. C'est drôle, bien, en étant fort, en faible. Et là, je trouve que là, on maîtrise pas assez là. Oui, paradoxalement, je vous trouve plus tendu maintenant que vous menez au score qu'avant. Ouais, parce que c'est dommage de perdre autant de ballons alors que, bon, on a deux buts d'avance, faut jouer intelligemment. Faut pas faire n'importe quoi là. Parce que là, on se jette, là, on. Non. On ait plus de maîtrise. Merci. Il sera exigeant jusqu'au bout, Patrice Lair. C'est aussi le talent des grands hommes. De savoir vivre leur expérience et leur passion jusqu'au bout. Même si ses mots dans la presse avaient été de communiquer auprès de ses joueuses, de prendre beaucoup de plaisir et qu'à travers ça, il en prendrait également. Et un deuxième carton dans cette partie sera pour Tobin Hiss. Qui a pris le ballon dans les mains alors que l'arbitre de cette rencontre n'avait pas du tout sifflé faute. On revoit le duel avec Amandine Henry, mécontente, elle prend le ballon. Et évidemment, elle doit exprimer quelques mots en anglais à l'arbitre de cette rencontre, Séverine Zinn. Wendy Renard. Lusaglia qui allonge le jeu vers Lotta Schelin. Récupération Laura Georges. Oran le relais avec Tobin Hiss, un coup de sifflet de Séverine Zinck. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, hein, Marinette, des 8 titres consécutifs de l'Olympique Lyonnais. Mais on peut parler peut-être des 3 relégués, hein, c'est vrai qu'il y a eu le dénouement il y a 15 jours du championnat de France. Il y a 3 équipes qui descendent, Marinette. Hein. Exactement, il y a 3 équipes, hein, qui quittent l'AD1 cette année. Il y a Hénin Beaumont, Yzeure et Muret qui céderont respectivement leur place à Algrange, ici les Moulineaux et Albi. Gagnants qui ont gagné leur championnat de groupe. Allemands dans le groupe A, ici les Moulineaux dans le groupe B et Albi dans le groupe C. C'est le retour d'ici les Moulineaux. Fabien. Exactement. Marinette, Farid Belsiti prépare la contre-attaque. Il va faire rentrer Shirley Cruz et Kosovar Aslani. Et on en parlait, hein, d'attaquante suédoise. Essayez passer un peu plus cette défense lyonnaise avec Koumagaï qui. On a été prise quelquefois à défaut en début de rencontre, où le coach Lair avait même évoqué un éventuel changement. Lusaglia qui a trouvé Louisa Nessib. On écarte à gauche vers Dickenman. Nessib avec Abili maintenant. Abili qui écarte à gauche, ça serait un petit peu trop long là vers Dickenman. Une 20aine de minutes à jouer ici encore au Mans et le double changement annoncé par Claire. La sortie de Caroline Pizzala, remplacée par une ancienne lyonnaise. C'est Charlotte Cruz, la costaricienne.
arrivé en 2012 au Paris Saint-Germain en provenance de l'OL. Elle qui a connu pas mal de pépins physiques cette saison, Charlotte Cruz, notamment au genou gauche. Ouais, qui a loupé la avant-dernière journée du championnat de France contre Juvisy. Et la sortie de Kenza Dali qui a fait un bon match. Souvent présente au coup de pied arrêté. Dans les pressings, dans les bons coups. Pressing à deux avec Marie-Laure Delis. Elle a rentré de l'attaquante Kosovare Aslani. La Suédoise, arrivée il y a deux ans aussi au PSG. Qui a un peu moins de réussite cette saison, Kosovare Aslani, hein, qui avait marqué 22 buts la saison dernière. Seulement 7 cette année. Ouais. Et qui va être rejointe, hein, comme on le précisait, par sa compatriote Caroline Seger à l'été prochain. Ah, il est beau ce championnat de France, hein, il est attractif. Quelques années en arrière, on n'aurait jamais imaginé avoir le gratin du football mondial entre les Américaines, les Allemandes, les Norvégiennes aussi, Nordby notamment, qui était une des premières à avoir franchi le pas pour rejoindre l'Olympique Lyonnais au début. Avec des clubs professionnels qui sont de plus en plus enclins à développer leur section féminine. Mm-hmm. C'est le cas de l'Olympique de Marseille qui a envie de monter quelque chose d'intéressant. C'est le cas du FC Nantes aussi qui va s'y mettre. Mm-hmm. L'OM qui vient de monter, hein, je crois, Marine est en deuxième division. Mm-hmm. Et qui pourrait bientôt avoir des classicos. Hein. Ah oui. Et oui, ce serait sympa à commenter, hein, ceci dit. Charlotte Cruz. Jessica Wara, le ballon n'est pas sorti. Le centre de Ouara, c'est légèrement contré, ça finira dans les gants de Sarah Bouadi. Linda, Linda. Louisa Nessib. Il cherchait à basculer le jeu côté opposé vers Eugénie Le Sommer, mais intervention de Laure Boulot. Aslani en relais avec Lindsay Horan et il faut signaler. Un coup franc joué trop rapidement là par Kaira Amraoui qui sera rejoué donc. Et Fabien et Marinette là à l'instant, Farid Bensiti s'est retourné d'un coup, il a crié Linda, Linda. Et donc Linda Bresoni qui est revenue vers le banc pour enfiler la tunique. Elle devrait rentrer. Là, il joue tous ses atouts. Farid Bensiti, elle va prochainement rentrer, je pense. Amraoui qui met ce ballon dans la surface. Oh, elle était partie un petit peu à l'aventure, là, Sarah Bouadi. C'est Amandine Henry, hein, qui a dû prendre les gants de sa gardienne dans le haut du crâne. On revoit la sortie. Ah oui, en effet, hein, Sarah Bouadi qui va pour boxer ce ballon, mais le ballon lui passe entre les deux bras. Et vous parliez d'Algrange tout à l'heure, Marinette. Sachez que le FC Metz, hein, vient de signer une convention avec Algrange en vue de la D1 féminine. C'est ce que nous a glissé notre confrère de France 3 Lorraine, Pascal Dulas. Et on va revoir les buts, Marinette, regardez, avec ce premier but, cette frappe enroulée de Lara Dickenman qui trouve la lucarne opposée, la joie du banc lyonnais évidemment. Elle est magnifique cette image. Toutes les joueuses qui tombent d'un seul coup. Et cette deuxième tête, hein, voilà, là, cette, pourquoi pas deuxième tête, cette tête tout simplement de Corinne Franco-Petit avec ce petit pied de Louisa Nessib qui vient déposer le ballon. Elle détend son mètre 78 pour donner l'avantage de 2-1 dans cette finale, dans cette édition 2014. En tout cas, les supporters du PSG n'ont pas baissé les bras. On les entend toujours autant supporter leur équipe. Toujours là, les ultras parisiens.
touche sera pour les Lyonnaises. Et un petit mot rapidement, Marinette, d'un tournoi que vous allez parrainer bientôt, je crois, dans l'Est de la France. Exactement. C'est à Wapi, elles étaient allées jouer en Coupe de France l'année dernière, les Lyonnaises, là-bas. Voilà, ça avait été une sacrée défaite. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est le troisième tournoi international de football féminin qui aura lieu les 21 et 22 juin au stade du Patis à Wapi, dont je suis la marraine. On retrouvera en effet plusieurs noms du championnat, notamment Algrange, Nancy, Aix-Nancy-Lorraine, en avant Guingamp, Hénin et des clubs allemands. Bref, j'ai juste envie de vous dire, venez au stade du Paty si vous ne faites rien les 21 et 22 juin 2014. Le football féminin qui continue à se développer, et tant mieux, tant mieux. Et le changement dont je vous avais parlé va avoir lieu, Linda Bressaonic. Et attention, le sommaire dans la surface. Oh là là. Olé, tenté la Madjer, Lota Schelin. Ouais, et hein. Ça a failli terminer au fond. On revoit le bon ballon hein, de la part de Jenny Le Sommer. Et la Madjer, pied droit. Et l'arrêt du pied de Katarzyna Kiderzinek. Elise Oran qui cède sa place donc à Linda Bressaonic, l'Allemande. Elle qui était un petit peu fatiguée, hein. Son coach nous disait d'elle que ces dernières journées de championnat avaient lourdement pesé, qu'elle éprouvait une certaine fatigue et que c'est pour ça ce soir qu'il n'avait pas choisi de l'aligner dans le 11 de départ. Il y a une Parisienne qui reste au sol, qui est KO, là c'est Keyram Rahoui je crois dans la surface. Et on va aller très vite aux nouvelles. Ah, c'est sur ce choc avec Camille Abili. Touché au visage, visiblement, Keyram Rahoui, l'ancienne Stéphanoise. Fabien Marinette, je suis en compagnie de Farid Mestiti. C'est dur là, c'est dur pour le PSG. Vous avez jeté là toutes vos forces dans la bataille, vous avez joué toutes vos cartes. Qu'est-ce qui peut encore se passer? En fait, le défi athlétique par rapport à Wendy Renard, il est vraiment très difficile. Donc, ce qui peut arriver, c'est surtout le jeu un peu plus court devant cette défense lorsqu'on a des ballons dans l'axe avec le dribble, avec la percussion, la vitesse d'exécution. Donc voilà, après, c'est assez cruel parce que c'est surtout ce deuxième but. Le premier but, il est magnifique, mais ce deuxième but arrive à un moment où, encore une fois, l'arbitre ne nous siffle pas. Elle ne met même pas carton jaune sur des fautes où les filles vont au but. Et là, il n'y a même pas faute, il y a encore but. Et derrière, on est déstabilisé. Bon, voilà. Mais ça se joue à pas grand-chose. Donc, il faut qu'on reste solide. Il ne faut pas qu'on en prenne un troisième parce que tout est possible dans le football. Voilà. Merci, Farid. Il y croit encore, Farid Benstiti. Reste un quart d'heure à jouer ici au Mans. Et il croit son équipe capable de recoller au score. Pourquoi pas. Quel coach ne croirait pas jusqu'à la fin de pouvoir inverser la tendance ou de revenir logiquement au score? Oh, le mauvais contrôle de la part de Lota Schelin qui laisse filer ce ballon en 6 mètres. Elle n'a pas pu s'emmener ce ballon correctement, Lota Schelin, l'internationale suédoise. En même temps, c'est normal, hein, on arrive en fin de saison. Comme on le disait tout à l'heure, les internationales se rassembleront demain à Orly. Passer la nuit ensemble et prendre l'avion lundi matin. Pour aller 3 matchs amicaux et les autres joueuses étrangères repartiront respectivement dans leurs équipes nationales. La touche pour les Parisiennes et pour Laure Boulot. Marie-Laure Dely qui résiste au pressing lyonnais. Et encore une sortie de Sarah Body qui peut relancer proprement à la main. Lusaglia qui a amené une assise supplémentaire en milieu de terrain depuis son entrée en jeu. Elle s'est mise tout de suite dedans. Camille Abili. Elle propose une solution. Regardez, c'est encore elle qui prend le ballon. Qui décale pour Corinne Franco-Petit. Avec Amandine Henry maintenant. Qui s'appuie sur Lota Schelin. La remise un petit peu trop forte de la Suédoise. Ballon toujours lyonnais.
Et Lyon qui s'apprête à faire son dernier changement. C'est Amel Majri qui va rentrer. Nessib qui va sortir donc. Et qui va céder sa place à Amel Majri, la Tunisienne. Et forcément, quand on voit Louzane Simon, on repense à ce délice de coup franc. Ce ballon déposé sur la tête de Corinne Petit-Franco. Le but du 2-0. C'est vrai qu'il y a de la qualité. Hein. C'est vrai, elle a vraiment passé un palier avec toutes les compétitions qu'elle a pu disputer avec l'équipe de France. Championnat d'Europe, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Et l'année prochaine, peut-être qu'elle sera dans ce groupe, hein, appelé par Philippe Bergerot pour aller disputer cette Coupe du Monde au Canada. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Pour que cette équipe de France qui porte le championnat de France à travers ses internationales puisse nous ramener une médaille. Ce serait bien. Ah, ce serait après la Coupe du Monde, après les JO, on n'est pas passé loin à chaque fois. Qui ont réalisé un parcours sans faute hein, jusqu'à présent. La bonne intervention de Wendy Renard. Allez, Linda Bresnik, l'allemande, qui vient de rentrer il y a quelques minutes en jeu. L'américaine cherche Aslani et le ballon qui est sorti. On est dans les 10 dernières minutes ici au MM Arena. Et Fabien et Marinette, je suis en compagnie de Louisa Nessib qui vient de sortir. Louisa, tout s'est débloqué à l'heure de jeu. Vous avez cru de toute façon, évidemment. Qu'est-ce qui a changé ? Le bon ballon, je ne sais pas, oui, bien entendu, on y a cru dès le départ. Après, elles ont super bien défendu en première mi-temps. Elles avaient un bloc très compact, assez bas. Voilà, nous, on a essayé de jouer et tant mieux, on a réussi à marquer. Le plus important a été le premier but. C'est toujours le plus difficile à marquer. Maintenant, j'espère qu'on va garder ce score-là et qu'on va gagner. Et on vous a vu célébrer. Vous êtes venu sur le bord du terrain célébrer avec votre coéquipière en vous renversant en arrière. C'est quoi le message ? Non, il n'y a pas de message. C'était un petit truc que l'on avait prévu entre nous. On a eu la chance de pouvoir le faire. Donc voilà, tant mieux. C'est Lyon renversant ? Si vous voulez. Bon, on va dire ça. Ça a été travaillé à l'entraînement, visiblement. Ah, apparemment. Merci, Louisa. Merci, Claire. Et entre-temps, on a eu quand même une sacrée occasion hein, de la part de Linda Bresnik qui cherchait la Suédoise dans la surface de réparation de Sarah Bouadi, mais qui a été subtil, qui s'est fait subtiliser le ballon. Elles ont quand même quelques occasions, mais dans le dernier geste, ça dernier manque, pied, ça, manque de réalisme. Ça traîne. Lota Chélin. Le centre de Dickenmann vers Abili dans la surface. Elle a tenté. La reprise de Busaglia. Et le dernier changement côté lyonnais, c'est Lota Chélin qui sort justement. Et entrée en jeu de Laetitia Tonazzi. Qui, on peut le dire, a marqué le plus beau but de l'année, hein, Laetitia Tonazzi. On peut le dire en effet, oui, il était vraiment splendide ce but. Allez, dégagement de Katarzyna Kiderzinek. Le coup de tête d'Amandine Henry vers Tonazzi justement. Qui cherche en déviation Amel Majri. Camille Abili, côté gauche. Et le ballon sera en faveur des filles de Patrice Lehr. Après ce tacle de Tobin Hiss. Et, hein, l'engagement et l'intensité malgré ces deux buts d'avance pour l'Olympique Lyonnais, elle ne lâche rien, les Parisiennes.
et le coup franc pour l'OL et pour Élise Busaglia. Coup franc excentré là-bas côté gauche. Wendy Renard est évidemment là au point de pénalty. Et c'est repoussé dans les 6 mètres finalement. Ça revient plein axe. Amel Majri. Wendy Renard encore. Et un coup franc peut-être plein axe. Pas de faute signalée. Alors que Wendy Renard avait pris un coup visiblement. La voilà Wendy Renard, la Martiniquaise. Oui, en effet, hein, on voit bien le tacle de Shirley Cruz. Il y avait un petit quelque chose. Hein. Oui, il y avait une petite semelle hein, sur le dessus de la chaussure de la Martiniquaise. Et c'est ce que lui montre Wendy Renard à l'arbitre, à Véronique, Véronique Zinc. Et oui. C'est Séverine, non? J'ai dit quoi? Véronique. C'est Séverine, effectivement. Je me dis, tiens, on a changé d'arbitre en cours de jeu. Et c'est relevé heureusement. Pas trop de bobos, pas de pépins pour Wendy Renard qui va aller se replacer dans l'axe de la défense. Et le ballon rendu aux Parisiennes. 5 minutes avant la fin du temps réglementaire et Patrice Lair qui va partir sur une très bonne note et qui va remporter un nouveau trophée ici à l'OL. Ça va faire un deuxième doublé consécutif, coupe championnat pour les filles de l'Olympique Lyonnais. Surtout ne pas minimiser ça, hein. C'est vrai qu'elles ont été éliminées en 8e de finale de Ligue des Champions cette saison. C'est un petit peu gâché cette année 2014 pour l'OL, mais ce qu'elles font c'est absolument remarquable. Ouais, ça a été le cas pour nos deux clubs engagés hein. On a eu Paris Saint-Germain sorti par Tiresso en 16e et puis et puis l'Olympique derrière, le tour suivant. Allez. Corner pour le PSG. On cherche Marie-Laure Delis à repousser. Kosovar et Aslani. Allez, ça a du jus, c'est frais. Si elle vient de rentrer en jeu il y a quelques minutes. Delannoy côté gauche. Et c'est dégagé par Amel Majri. Todazzi au pressing sur Laura Georges. Kawara a poussé de la tête ce ballon. Et peut-être une opportunité pour le PSG. Marie-Laure Delis. Marie-Laure Delis s'est repoussé par Koumagaï qui avait bien anticipé. Et on sent hein, encore la capitaine Wendy Renard qui encourage ses coéquipières à rester mobilisées sur les 4 minutes qui restent dans ce temps de partie. Et à nouveau l'Allemande pour frapper ce corner. Tobinis dans la surface, repoussé par Amandine Henry. Delis, encore une tête. Encore une tête d'Amandine Henry, ça sera un nouveau corner pour le PSG. Il n'y a que leur boulot hein, qui reste seul dans le rond central. Et la tête de Busaglia, ça revient dans la surface lyonnaise tout de même. Marie-Laure Delis était à l'affût. Et la sortie de Sarah Boisdi. Oh là là. Oh, il y a eu un sacré attention. Tampon là. Là en effet, elle est mal retombée, Sarah Boisdi. Elle va gêner là dans sa sortie aérienne, Sarah Boisdi qui retombe mal. Là on revoit. Et elle retombe d'une part sur Marie-Laure Delis. Et de deux, regardez hein, ce torse qui vient se tordre. Mais elle est debout. Plus de peur que de mal pour Sarah Boisdi, la gardienne de l'équipe de France qui s'est relevée, un petit peu sonnée. Mais ça va. Allez, elle va pouvoir dégager. C'est vrai que pour les organismes, les fins de saison, quand on est engagé sur 3 compétitions, que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe de France et le championnat, à la fin, et tous ces rassemblements font... Attention, la dernière occasion peut-être avec Eugénie Le Sommer. Et très belle intervention là de Laure Boulot qui vient glisser ce ballon en corner. Parfait, hein, regardez ce tacle qui vient de glisser. On reste équilibré jusqu'au dernier moment pour passer cette jambe gauche. Élise Busaglia pour aller frapper ce corner.
C'est frappé au point de pénalty. Alex Flores, ballon, Wendy Renard. Et ensuite, Corinne Petit-Franco qui n'a pas pu contrôler correctement ce ballon. Shirley Cruz. Maintenant, Linda Brezoni qui a cherché en première intention Marie-Laure Delis. Elle a voyé plus axe. Amandine Henry qui joue tranquillement vers Sarah Boidi derrière. Qui a vu Lara Dikenman côté gauche. L'appel de balle de Tonazzi. Le relais avec Amel Majri, petite balle piquée. Et la bonne sortie hein, de la gardienne polonaise. Vous n'osez plus prononcer son nom, Marinette. C'est-à-dire que ça m'agace un peu de l'écorcher, donc voilà. Rien que pour elle, et par respect. Et le ballon qui est sorti. Comme vous maîtrisez si bien le polonais, Fabien. Oui, parfaitement. Et il y aura 4 minutes d'arrêt de jeu dans cette finale. On est dans les arrêts de jeu de cette finale de Coupe de France entre l'OL et le Paris Saint-Germain. L'OL qui file tout droit vers un nouveau doublé. Grâce à des buts de Corinne Franco et de Lara Dikenman. Charlie Cruz. Jessica Ouara. Charlie Cruz encore. Le centre vers Tobinis, repoussé par Koumagaï. Et Boussaglia qui cherche Tonazzi, il y a un contre. Pour les Lyonnais qui s'enclenchent. Et c'est la Radikenman qui est là. L'appel de balle de Majri, c'est repoussé par Sabrina Delannoy. Une petite correction, hein, parce que je viens de recevoir un petit SMS pendant toute la soirée. On a dit de la part de Corinne Petit Franco. Alors on s'excuse parce que ce n'est plus que Corinne Petit. On va respecter sa volonté. On respecte sa volonté et on remercie Gaëtan, hein, Gaëtan Tinet, de m'avoir envoyé un petit SMS pour rectifier cette petite erreur. Mais c'est vrai que pour des maillots, c'est pas forcément si évident à voir. On la salue, Gaëtan, si elle est devant son écran. Branché sur France 4 ce soir pour cette finale de Coupe de France, cette belle finale entre l'OL et le Paris Saint-Germain. Et on peut commencer à danser, à sauter sur le banc lyonnais, à savourer cette victoire qui se rapproche. Encore 2 minutes de jeu. Il faut souligner que les supporters parisiens continuent toujours à chanter, à danser aussi dans leur tribune. Jusqu'au bout. Un coup de chapeau quand même. Le coup franc qui va terminer dans les gants directement de Kéder Zinek qui relance à la main côté opposé. Ouais, faute de Corinne Petit. La buteuse. Magnifique tête plongeante. Pas trop de solutions hein, proposées à leur boulot. On continue à presser très haut. Comme à l'image de ce tacle d'Alice Boussaglia sur Amraoui. Charlie Cruz. Il cherche Marie-Laure Delis et l'intervention de Corinne Petit. Amandine Henry. Allez, ça peut partir sur le côté avec Eugénie Le Sommer. Elle a vu l'appel de balle de Eugénie Le Sommer qui rentre dans la surface. Et elle obtiendra un corner. La Bretonne de l'Olympique Lyonnais, ça sera la dernière occasion. Il reste quelques secondes à jouer ici au même arena. L'opposition, hein. De leur boulot. Difficile à se relever. Et c'est une nouvelle fois Élise Boussaglia qui réclame ce ballon. On va aller frapper ce corner.
Dernière occasion du match. Élise Bussaglia, corner au point de pénalty. La tête! Oh la parade! Oh, quel arrêt! Quel arrêt de Kider Zinek sur cette tête d'Amandine Henry. Et c'est terminé. C'est terminé ici. Et ça se terminera sur une superbe parade de la gardienne polonaise du Paris Saint-Germain. Et l'immense joie de Patrice Lhère et de toutes les filles de l'Olympique Lyonnais. Le bonheur également de Jean-Michel Aulas. Puisque l'armoire à trophées se remplit encore et encore à Lyon. Allez, et cette victoire, elle est belle parce que ce soir, elle a été accrochée, elle a été difficile. Il a fallu attendre pour voir ce premier but marqué. Ouais, je crois que Patrice Lhère, en plus, c'est pas très loin là de Claire. Il est en train de saluer son staff, son adjoint. Et c'est vrai que c'est un immense bonheur pour Patrice Lhère qui va arrêter sur une victoire, sur un nouveau trophée. Lui qui a tout gagné, on le disait. Ouais, il a tout gagné, il a amené un esprit différent de conquérante. Ça y est. Et on va avoir une buteuse. Oui, Fabien et Marinette, Corinne Petit, l'auteur du deuxième but. La solution finalement ce soir, elle est venue des défenseuses. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare et voilà. Tout comme quoi, tout le monde est important et on s'est tout donné, le groupe entier. La victoire, elle est au bout. Il y avait aussi une volonté de gagner pour le coach, pour son dernier match. Oui, c'est sûr que les fins de saison, c'est toujours particulier. Donc, faire un doublé, ça rattrape ce qu'on a loupé dans la saison. Et c'est finalement une belle saison quand même. Alors, j'ai déjà posé la question à Louisa Messip tout à l'heure, mais la petite célébration que vous avez faite sur le premier but, c'était travaillé? Oui, on en avait parlé avant. Pas de message particulier? Non. D'accord. On va garder renversant alors, un Lyon renversant. Voilà. Okay. Merci beaucoup Corinne, félicitations. Ah, c'était une belle chorégraphie, hein. Ils sont en train de faire le clap. Regardez les Lyonnaises avec leurs supporters qui ont fait le déplacement ici au NM Arena. C'est beau hein, de voir une telle communion entre les supporters et finalement, voilà ce qu'on doit retenir de cette soirée, c'est voilà, la communion, l'envie, le partage. Le plaisir, regardez ses sourires. Ah, c'est le dernier acte de la saison et ça se termine de la plus belle des façons pour l'Olympique Lyonnais, effectivement. Sabrina. Fabien, je suis aux côtés de Sabrina Delannoy qui est évidemment très déçue. Sabrina, qu'est-ce qu'on peut vous dire à ce moment? Bon, c'est vrai qu'on est très déçus parce qu'en fait, on voulait simplement bien finir cette saison parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup de sacrifices, on a travaillé très dur. Et je pense qu'on aurait été récompensé justement si on avait remporté la Coupe de France. On sait que l'Olympique Lyonnais avait remporté le championnat. Voilà, c'était un plus. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup de déceptions. Voilà, on va aller remercier les supporters. Voilà, il y a Tobinis aussi, c'est son dernier match. Donc voilà, il va falloir vite bien récupérer. Et puis je suis sûr que la saison prochaine, on va pouvoir rivaliser avec l'Olympique Lyonnais, ce qu'on va continuer à travailler. C'est vrai qu'il y a de la déception parce que vous êtes tout proche là, vous êtes vraiment prête à challenger ces Lyonnaises. Mais qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? Je pense qu'elles ont, plus d'expérience que nous sur ces matchs-là parce qu'elles ont joué beaucoup de matchs de Coupe d'Europe. Nous, on est un groupe en pleine progression, on va continuer à travailler vraiment et elles travaillent ensemble depuis beaucoup plus de temps que nous. Donc ça laisse encore beaucoup d'espoir pour la suite et en tout cas, j'ai vraiment confiance en mon équipe et je suis très fière d'elles. Merci beaucoup. Merci. Elles reviendront encore plus fortes, les Parisiennes. C'est vrai, ce qui manque aujourd'hui au PSG, c'est ce vécu collectif qu'a l'Olympique Lyonnais depuis des années et des années. Des filles qui jouent depuis très longtemps ensemble. Il y a des automatismes qui se sont créés depuis beaucoup de temps, des affinités également. Et à la tête, avec une équipe, avec à sa tête un homme qui a apporté énormément de choses. C'est Patrice Lhère aux côtés de Claire. Oui, Patrice Lhère, un homme heureux pour ce dernier match. Oui, bien sûr. Très heureux de finir comme ça dans un beau stade contre le Paris Saint-Germain. C'est bien, 10e titre en 4 ans, c'est fabuleux. Le sentiment du devoir accompli. Pardon ? Le sentiment du devoir accompli. Oui, moi je pense que oui. C'est... Non, moi, on a bien travaillé, on a été récompensé. Et... Non, ce soir ça a été une bonne prestation.